Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est l'heure pour moi de vous présenter mon album photo Wedding de Stamperia. Alors c'est un album photo que j'ai refait par rapport à un ancien album photo qui date d'il y a 2 ans. C'est les mêmes pages, c'est les mêmes choses, c'est juste la décoration et les papiers qui changent, puisque vous allez voir le long des tutos, il y a des pages que j'avais dans l'ancien que je n'ai pas retrouvées dans le nouveau papier, donc je pense qu'ils ont dû changer quelques petites choses. Exemple, il n'y avait plus de grands ronds, il n'y avait plus les images en carré. Vous savez, Stamperia fait souvent les 4 images sur une 30-30, c'est pareil, il n'y était pas. Du coup, bah, j'ai refait à ma sauce. C'est pareil pour la décoration du devant. Il y avait un ovale. De toute façon, je remettrai la première vidéo en i. Là, elle n'y était pas non plus. Donc, du coup, j'ai refait à ma sauce. La bordure, c'est pareil. Je ne l'ai pas retrouvée. Et je suis désolée. Mais non, Olaf! Je ne l'ai pas retrouvée non plus. Du coup, eh bien, j'ai fait à ma sauce. Je m'excuse, je vais juste la mettre sur le lit. Hop là, en fait elle était couchée juste là, ici. Sauf que je l'ai poussée pour pouvoir filmer et du coup ça l'a réveillée, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas, elle a envie de câlin, en ce moment elle a envie de tout le temps de câlin. Bref, du coup, au niveau des shipbirds ici et ceux qu'il y a là, ce sont ceux de la collection Stamperia, hein, de Wedding aussi. Voilà, dessus j'ai juste mis des paillettes, alors il est où mon paillette, voilà, avec spectrum noir. D'ailleurs il y a des endroits où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de paillettes, pourtant j'en ai mis partout. Hop là, on recommence. Hop. Oui, vous me connaissez maintenant, je suis une accro des paillettes, mais moi il faut qu'il y ait plein de paillettes. Voilà, donc voilà pour ça, la fermeture se fait avec deux rubans, voilà, ici. Et ici, vous allez voir, il y a quelques petites différences par rapport à l'autre album. Donc voilà pour ça. Derrière, je vous le montre parce que sur les tutos, je ne l'avais pas encore fait. Mais voilà, j'ai fait comme ça, j'avais plus de 30-30 qui allaient avec, qui me plaisaient. Je voulais rappeler ici, donc du coup, voilà, j'ai triché. Celui-ci était un peu plus petit, donc du coup, j'ai triché. J'ai mis deux bandes là et je m'en suis resservi du même papier ici pour mettre mon étiquette. Et je trouve que ça fait très très joli. Du coup, on ouvre ici, voilà, et là, ici. Ici, il n'y a rien du tout, tout simplement parce que j'avais créé ça dans l'optique de mettre, pourquoi pas, les cartes de félicitations, le faire-part ou tout ce que vous voulez. Ici, normalement, j'ai juste mis une image, là, j'ai mis deux espaces photos. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc ici, là, j'ai mis du glossy sur les anneaux et des paillettes sur le ruban. Voilà. Au niveau des petites étiquettes, ce sont les étiquettes mariage qu'il y a sur ma boutique à moi. Au niveau du papier, c'est du papier concrète. J'ai utilisé beaucoup de papier concrète et j'ai utilisé une seule feuille de papier rose, voire deux. J'ai vraiment pas utilisé beaucoup de papier cardstock rose, donc de chez Bassène Créative. Si vous voulez les références, je vais vous les donner. Donc je les ai eues chez Ninon, bien évidemment. Donc le concrète, la référence, c'est 29 28 087. Voilà. Tapez ça dans la barre de recherche de Ninon, vous les trouverez. Et au niveau du rose, c'est celui-ci. Voilà, donc le 29 28 017. Voilà. Ça, c'est pour les couleurs. Ici, vous voyez, j'ai utilisé du ruban. Donc sur le premier album photo, c'était, j'avais fait la perforatrice de bordure. Là, je me suis dit que voilà, j'avais pas envie d'utiliser la perforatrice de bordure. Du coup, j'ai mis du ruban, ce qui sera plus simple pour les débutantes. Ici, c'est vraiment un album photo spécial débutant. Hein. Personnellement, les 4 pages, je les ai fait en une journée. Donc voilà, c'est vraiment très facile à faire. Ça change des albums que je fais, photos que je fais maintenant. Donc ici. Ici, on comptera ensemble le nombre des photos. Hop là, j'ai oublié de compter. Ici, vous avez un petit livret. Voilà. Là, j'ai juste mis une étiquette comme ça, pourquoi pas marquer la date ou ce que vous voulez. Hop. Sauf que Marie, si tu le mets à l'endroit, c'est mieux. Donc ici, ici. Ici, vous avez une petite pochette. Ici, des photos. Pourquoi pas du buffet, des gâteaux.
puisque c'est pour le menu. Ici, vous avez une photo avec un shipboard mariage. Et ici, j'ai juste mis comme ça. On peut très bien en rajouter. Hop là. Bien évidemment, cette album photo sera sur la boutique. Si ma cliente veut plus de photos, je pourrais rajouter plus de tags. J'ai encore beaucoup de petites cartes comme ça, soit avec rien écrit. Il doit m'en rester aussi de mon ancienne collection comme ça. Là, j'ai pas fait de livret, j'ai juste fait deux tags parce que sinon... Hop là, ça va avoir du mal à rentrer. Déjà là, on est déjà bien. Hein. Après, on peut toujours les déplacer, les mettre autre part. Vous allez voir l'enveloppe, j'ai voulu utiliser le kit. C'est un peu... C'était la première fois que je l'utilisais. J'ai prévu de vous faire une vidéo démonstration avec. Vous pouvez très bien, vous, utiliser une enveloppe préfaite. Hop là, et ici, pour y glisser des petites choses. Pourquoi pas une carte SD. Hop là, voilà, il y a un aimant pour pouvoir y mettre toutes les photos, les vidéos du mariage. Par contre, moi, je veux bien récupérer ma carte SD. Voilà. Là, voilà. Un peu dur à récupérer, par contre. Hop. Mon aimant, pourquoi tu ne veux plus fermer? Bon, tu fermais il y a 2 minutes. Pourquoi mon aimant ne veut plus? Bon, hop. Ici, j'ai juste mis 2 tags. On peut toujours en mettre plus, comme je vous disais. Hein. Hop là. Et ici. Je verrai par la suite, quand j'aurai reçu du papier blanc, parce que je suis un peu en rupture de papier blanc, j'en rajouterai peut-être un peu plus quand même pour les clientes. À voir. 2 shipbirds, la mariée et le marié. Donc, que ce soit le mariage, la mariée, le marié, ils me viennent de la boutique Scrapbooking Boutique. Ici, hop là. Voilà, j'aime beaucoup cette page miroir. Ici, on ouvre là. Donc, ici, costume du marié. Ici, j'ai mis ce papier-là et j'ai fait exprès de laisser les lignes sans rien mettre parce qu'on puisse mettre du journaling. Ici, 2 photos. Petite carte. 1 photo. Ici. Et c'est pareil ici. Donc, pareil, toujours mes petites étiquettes. Hein, là. Ici, les témoins, c'est pareil, ça va avec. Là. Voilà, pour qu'on va mettre d'un côté la mariée avec les témoins, de l'autre côté le marié avec ses témoins. Excusez-moi, le petit ok. Voilà. Ici, beaucoup plus simple à faire avec du ruban que la première fois que je l'ai fait avec la dice de bordure. Alors, on a l'impression, vous allez voir, donc là, j'ai mis 2 livrets. Voilà, j'ai oublié de mettre les espaces photos dedans. Je vais les mettre. On a l'impression qu'avec l'optique, ils sont pas pareils. Mais si, si, hein, vous allez voir, ils sont pareils. C'est la robe qui fait que... Voilà, c'est un effet d'optique. Hop là. Et ici. Vous pouvez essayer d'en rajouter plus si vous souhaitez des plus petites ou tout ce que vous voulez. Ici, le marié, la mariée. Hop là, ici. Voilà, j'ai mis un livret. Alors, normalement, j'ai mis un aimant là pour pouvoir tenir une carte, mais c'est celle-là. Il y a l'aimant, mais je sens plus, il est là. Mais à savoir pourquoi, vous voyez, elle a un peu... Ah, quoi que là... Alors, là, elle veut bien tenir. Hier, elle voulait pas tenir. Voilà, à vous de voir. Hop, je vais me mettre comme ça. Mais elle a un peu de mal à tenir, du coup, j'ai rajouté ça en plus. Ici. Et ici, donc ici... 2 photos ici aussi, et avec les petites cartes, du coup, on peut mettre un petit mot si on a envie. Et enfin, le traditionnel, enfin la traditionnelle cascade. Voilà, photo des mariés ensemble, photo du marié, photo de la mariée et photo d'avant la cérémonie. Pourquoi pas? Donc, on va compter ensemble les photos 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ici, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, ok. 42, 43, 44 et 45, plus la pochette. Oh, on est quand même plutôt pas mal.
1. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est quand même plutôt pas mal. Donc j'espère que cet album vous plaira, que ce tuto que vous m'avez grandement demandé vous plaira également. Et nous, on se retrouve dès demain pour les tutos. Vous en avez 9 à venir. J'espère qu'il vous plaira. Et nous, on se retrouve très bientôt après ces tutos pour un nouvel album photo, pareil en tuto, qui sera avec la collection Collateral Rust. Allez, moi je fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.